Cher sixième, dans cette lettre, je vais vous présenter en quelques mots le collège. Leur entrée est un cap rempli de changements. Mais n'ayez pas peur, le collège, c'est génial. Le collège Louis Armand de Petite-Rosselle en éducation prioritaire est un établissement scolaire qui s'engage à offrir une éducation de qualité à tous les élèves en mettant l'accent sur l'égalité des chances et la réussite pour tous. Il est situé au cœur d'une communauté dynamique. Le collège s'efforce de créer un environnement d'apprentissage inclusif et stimulant. Grâce à une équipe pédagogique engagée et passionnée, le collège offre un enseignement de qualité en mettant l'accent sur les compétences clés, la culture générale et le développement personnel. Les élèves bénéficient d'un suivi individualisé, de modules de soutien et d'approfondissement, du dispositif devoir fait à tous les niveaux. Les activités parascolaires variées comme les cordées de la réussite, les vacances apprenantes, le dispositif Entreprendre pour apprendre, le dispositif EducFi, Phare, notre école faisons-la ensemble, l'éducation à la citoyenneté, le CVL, les éco-délégués, les voyages et sorties scolaires. Tous ces dispositifs favorisent l'épanouissement personnel des élèves. Le collège s'attache également à promouvoir la mixité sociale et culturelle en encourageant la diversité et le respect mutuel au sein de l'établissement dans le cadre des actions spécifiques du CESCE. Les valeurs de tolérance, d'ouverture d'esprit et de solidarité sont au cœur de la vie quotidienne du collège, permettant aux élèves de s'épanouir dans un environnement bienveillant et propice à l'apprentissage. Grâce à des partenariats avec des acteurs locaux, le collège offre également des opportunités de découverte professionnelle et d'ouverture sur le monde du travail afin de préparer au mieux les élèves à leur avenir. Le collège s'engage à offrir à chacun des élèves les moyens de réussir en cultivant le goût de l'effort, de la curiosité et de la responsabilité. Le collège Louis Armand est un lieu d'apprentissage et d'épanouissement où chacun est encouragé à donner le meilleur de lui-même pour construire son avenir. Les élèves du collège Louis Armand ont assisté à des cours de qualité, qui sont exigeants et qui ont comme objectif principal de les préparer aux examens nationaux et de construire avec eux leur projet de formation professionnelle. Personne n'est oublié, le collège Louis Armand accueille en son sein un dispositif ULIS. L'ULIS est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Au collège, c'est un dispositif qui accueille environ une douzaine d'élèves dont les besoins éducatifs nécessitent une organisation pédagogique adaptée à travers un parcours de formation individualisé, personnalisé et bienveillant. Selon leurs capacités, ces élèves peuvent suivre des matières en inclusion comme l'histoire-géographie, les sciences dans leur classe d'origine. Sur le dispositif, nous travaillons principalement les compétences en français et en mathématiques. Nous revenons également sur les inclusions et les aidons dans leurs devoirs. Afin de préparer les élèves à trouver leur voie professionnelle, il leur est proposé dès la quatrième des périodes de stage. Ceci pour le côté pédagogique. Il est important de noter que nous travaillons également sur le savoir-être, comment se comporter en société, la confiance et l'image de soi. L'objectif est le bien-être et le désir de progresser. Au Collège Louis Armand, les cordées de la réussite sont un dispositif d'accompagnement continu qui démarre dès la quatrième. Les élèves volontaires bénéficient à la fois d'un tutorat et d'ateliers collectifs pour les aider à élaborer leur projet d'avenir, quelle que soit la voie qu'ils envisagent, générale, technologique ou professionnelle. Cela permet à l'élève d'ouvrir le champ des possibles. Vous aimez bien les langues ? Ça tombe bien. À Petite-Rosselle, on vous propose des cours de latin et vous aurez l'opportunité de suivre l'option MOSA, Moselsar, qui consiste à perfectionner votre allemand et faire plein de sorties en Allemagne. Le reste des cours, comme la musique ou la technologie, sont pareils qu'à l'école primaire. L'amitié franco-allemande se construit ici en section MOSA. Depuis plus de 20 ans, le collège Louis Armand est tourné vers la culture allemande grâce à la section MOSA, Moselsar.
Nous sommes parmi les seuls à proposer ce dispositif de la 6e à la 3e. Il s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours avenir et le parcours citoyen de l'élève. L'allemand et les DNL, les disciplines non linguistiques comme la physique-chimie, la SVT et l'art plastique sont au cœur de l'action. La section Rosa poursuit un triple objectif. Tout d'abord, nous voulons que les élèves pratiquent la langue du voisin différemment, en la vivant grâce aux projets, aux sorties et aux échanges, et grâce à nos différents partenariats avec les écoles allemandes. Nous souhaitons également montrer que la langue est un outil permettant d'accéder à autre chose, et qu'elle est au service de l'art, de la culture, du sport et du monde professionnel. Nos élèves de 3e ont la possibilité de suivre le cursus AVIA, Allemand Vie Active, présentant les études et formations franco-allemandes qui s'offrent à eux, ainsi que les possibilités de stage et de mobilité en tout genre. Et pour finir, nous voulons mettre les élèves en valeur et faire progresser leurs connaissances et compétences dans une démarche actionnelle qui leur permettra de prendre confiance en eux et de renforcer leur curiosité et motivation pour l'allemand et l'Allemagne. Le REP, acronyme de Réseau d'éducation prioritaire de Petite-Rosselle, existe depuis 2015 et regroupe le collège Louis Armand et les écoles de la commune, à savoir Jacques-Yves Cousteau, Vieille-Véry, les Mésanges, la Farandole et les Marronniers. Les instances du réseau ont l'occasion de se rencontrer lors des différents conseils école-collège, permettant la mise en place de plusieurs projets interdégrés qui sont, pour chacun, associés à un objectif de développement durable onuséen. Ainsi, les élèves des écoles ont déjà pu rencontrer certains enseignants et certains élèves de notre collège. Loin des clichés, le REP est surtout un label qui nous permet, au collège Louis Armand, d'encadrer encore mieux les élèves, au plus près de leur développement personnel. Il nous offre la possibilité d'avoir plus d'adultes dans l'établissement avec plus de moyens. Ce label Réseau d'éducation prioritaire permet également aux élèves de 4e de participer au concours académique d'éloquence. Chaque année, une cinquantaine de classes sont inscrites. L'objectif du concours est d'amener les élèves, pour lesquels l'importance des mots n'est pas toujours perçue, à développer la confiance en soi à travers l'expression orale, la prise de parole en public et la culture du débat citoyen. N'oublions pas les règles au collège, ne pas courir dans les couloirs ou dans la cour, ne pas mâcher de chewing-gum, ne pas manger ou boire en classe, quand il neige, ne pas jeter de boules de neige, les téléphones restent dans le sac, les deux roues doivent être tenues par la main. À bientôt les 6e.